Oui, je suis aussi venu également pour assurer le personnel. Assurer le personnel parce que je le dis en toute transparence, que pour des raisons malheureusement indépendantes de notre volonté, ils sont restés avec quelques mois d'arriérés, ce qui est inédit dans l'administration. Mais le jour où nous allons communiquer, l'opinion nationale comprendra et saura que la raison qui explique ces arriérés de paiement, non seulement est indépendante de notre volonté, mais surtout, toute personne ou tout autre ministre qui aurait été à notre place n'aurait d'autre choix que de subir cela. Parce que des budgets ont été affectés, ils devaient être exécutés, il y a des choses qui se sont passées. Le moment venu, nous communiquerons. Mais mon devoir actuellement est de faire fi de ça et de me dire qu'il y a des jeunes Sénégalais qui ont le droit fondamental que je suis appelé à défendre même dans des entreprises privées. Nous sommes disposés à être le donneur d'exemple sur ce sujet en leur venant en rescousse et la prise en charge elle est pleine et entière et très bientôt, Inch'Allah, tous ceux qui sont inscrits sur le tableau du paiement et qui, à la suite des audits du personnel physique que je viens de réaliser sur tout le territoire national, vont rentrer dans leurs droits. Je leur demande simplement de faire l'effort de continuer à travailler, à faire ce qu'ils sont appelés à faire en bon commis de l'État.